Habit rose comme ça, là, tu as son beaucoup d'air. Non, mais ça, c'est son fleur, fleur, même. Parce que je suis une femme, donc je peux me permettre de porter toutes sortes de roses. Voilà. Je ne suis pas limitée, en fait, dans les roses. Toi, tu penses que tu portes rose cake, même? Attends, c'est parce que même là, je porte... Non, mais parce que j'étais rien, tu vois. Ah, tu portes rose cake. Tu dans le rat. Toi, tu portes rose cake. Toi, tu portes rose cake. Et puis ça te dit rien. Tu viens porter ça au public. Oui. J'aime le rose et j'en suis fière. Ok. Je le revendique à corps et à cri. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un événement d'amoureux tout et tout, si on te donne des roses, tu vas les prendre. Aïe. Mais qui a fait rêve pour dire que le garçon ne peut pas avoir fleurs? Toi, tu ne peux pas donner fleurs à ton mari. Je ne peux pas. Pourquoi? Mais qui a fait rêve pour dire que sa femme se monte en fleurs? Ça vaut en donner. Comme toi, comme celle-là, toi. Tu es dans patapatao. Donc, mon cher, regardez. À cause de moi, tu vas te blesser. Je ne vais pas me blesser. C'est pas beaucoup, hein? Si je dois faire beaucoup, c'est soit à elle, non, si. Toi, tu es garçon, tu t'en vas prendre chemise ou rose, rayu, rayu pour venir, je sais pas. Pour te montrer qu'il n'y a pas que toi qui as du rose dans ta garde-robe. Ok. Tu entends? Ok. Enfin, si on. Enfin, si on peut appeler ça une garde-robe dans ton placard. Pourquoi? Moi, j'ai une garde-robe. Placard, garde-robe. Hein? Toi, tu sais comment mes trucs sont là-bas. C'est drôle, c'est comment? Plié, rongé. La chérie, avant, écoutez bien. Écoutez bien. Moi, je pense à vous. Je pense à vous. Aujourd'hui, à samedi, non. Demain, dimanche. Bon, ça, c'est pas une information, hein. Samedi, dimanche. Ah! Forcé. Demain. Quand samedi finit, c'est dimanche. Ça, c'est. C'est temps, mais ça te fait rire. Ah! Parce que tu fais. C'est-à-dire que toi, tu as montré tellement que tu comprends français jusqu'à. Ça te fatigue. Les chéris, moi je vous aime. Aujourd'hui est samedi, demain c'est dimanche. Même si c'est pas toi, eux-mêmes disent que demain là, c'est dimanche, ça va venir. C'est quel français tu veux parler là, là? Ça te fatigue, hein? Ok. Terminé. Moi au moins, ça me fatigue, mais ça sort un peu, un peu. Français qui est bloqué dans tes gencives, qui peut pas sortir là. Ah, bébé. Hey! Ton français, on comprend pas. Tout à l'heure, il y a dit qu'un mot. La ruelle. Oui. On est en train de manger Gaba. Elle indique un endroit et puis elle dit tu prends la ruelle. Et puis parce qu'elle a trop parlé français. Non. Ruelle. Bon, je pouvais dire tu prends la route, ou bien tu prends la droite, ou bien tu prends le carrefour. Mais j'ai dit la ruelle. Et en même temps, Jean, tu as dit quoi? Tu as trop parlé français. Mais là, vous êtes des blocus pour nous. Parce que là, c'est dans notre corps, mais on n'arrive pas à faire sortir. Parce que pourquoi tu as fait sortir? Puis on dit elle veut dire quoi? Elle veut dire quoi? Donc c'est comme ça, nous c'est dans notre corps, on préfère écrire. Attends, donc ruelle, tu as dit là, c'est ça que tu as parlé le français rouge bordeaux, hein? Il y a des gens qui mettent pas ça dans leur vocabulaire, ruelle là. Donc si moi j'ai employé ça dedans, c'est que c'est bien bon. Ah, la fille de la ruelle. On peut commencer la vie. On a qu'à commencer. Donc depuis là, on faisait quoi? On faisait quoi? Je te demande si c'est, ça ne fait pas partie de la vidéo. YouTube là, YouTube quand tu commences la vidéo, c'est-à-dire que lancer le générique. Kevin Robin, c'est pas ce que tu... Lily Kwasi, voilà. Lily Kwasi. Oui. Genre c'est le générique quoi. Oui, oui. Ça a bien été passé. Et puis pourquoi il va couper? Il va couper. Jamais. Ok. Générique. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'ai une superbe nouvelle pour vous. J'ai 260 000 à vous partager demain dimanche. En trois. En fait, demain, sur mon compte Instagram, je vais lancer un jeu concours avec Itch. Et ils m'ont dit qu'ils ont un budget de 400 euros, soit 260 000 francs à vous donner. Ils voulaient que j'achète les cadeaux pour vous. J'ai dit non, je connais ma communauté. Ils aiment l'espèce. Comme moi, on aime l'espèce. Vraiment, on aime l'espèce. On aime l'espèce. Donc, ils disent que, ah, d'accord, voici les messages. Hein. J'ai dit, je connais ma communauté. Voici, lisez les captures. J'ai dit, je ne peux pas payer cadeau. Parce que la fille a dit que, on va t'envoyer l'argent, tu vas payer les cadeaux pour eux. J'ai dit, non, je préfère leur donner l'argent en espèce. Parce qu'ils aiment le boy, comme moi. Parce que
souvent même, il y en a qui m'envoient un message parmi vous là. Hey Kevin, ça va pas oh. Si tu peux me faire un dépôt de 50 000, je réponds jamais. Parce que moi-même, je me cherche. Mais demain, j'ai 260 000 pour vous. Deux personnes vont gagner 100 000 et une personne va gagner 60 000. Donc demain, soyez à l'affût sur mon compte Instagram. Et puis quand vous allez gagner, vous allez aller récupérer ça dans les locaux de Itch, Abidjan. Itch Côte d'Ivoire. Leurs locaux sont à Abidjan. C'est pas loin. C'est dans la capitale, capitale. Voilà. Donc demain, ne me remerciez pas, c'est normal. C'est normal. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc téléchargez Itch déjà. Commencez à télécharger Itch. J'ai mis en description le lien pour télécharger Itch. Et puis inscrivez-vous sur Itch. Sinon vous n'allez pas gagner l'argent avec. C'est les gens qui vont télécharger Itch. S'inscrire sur Itch. Qui vont gagner. Donc voici le lien pour télécharger Itch et puis vous inscrire. Faites en même temps. Oh. Faites en même temps. Mais moi, je fais partie de ta communauté, non? Non, non, non. Aïe. Tous les gens de ma famille sont exclus du jeu. Ouais. C'est mes abonnés qui doivent gagner. Ouais. C'est payant, regarde tes vidéos aussi. Moi-même, à partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus. Il ne faut plus regarder. Tant que tu fais, ça me va. Et n'oubliez pas, ceux qui utilisent Itch, là, j'ai un code promo Kevin500. Ça vous donne 500 francs de réduction sur vos premières courses Itch. Voilà, faut parler fort. Hein. Tu sais que je n'ai pas micro. Faut parler fort. Hein. Micro là même, depuis on t'a dit, tu dois payer. Tout le monde dans les commentaires, micro, micro, micro. L'argent, j'ai à prendre. L'argent, j'ai à prendre pour payer micro là. Je préfère donner ça à ma communauté. C'est comme ça, demain, je leur donne 260 000. Les gens qui disent qu'il faut payer micro, c'est l'argent de micro là, je vais vous partager demain. Donc choisissez soit micro, soit l'argent. C'est pas ce qu'elle dit. On dit yéré yéré. Ah yéré yéré. Ça te va? Il n'est pas micro, faut arrêter de chuchoter. Yéré yéré. On va commencer. Ah. Yeah! Elle et moi on a fait par là parce que vous la voyez comme ça, elle n'est pas bonne. Moi je suis au travail, je t'appelle. Je dois recevoir un dépôt. Mobile money. Je t'appelle, je dis, ah est-ce que tu as atteint ton quota? Tu dis non. Je dis ok. Comme on est en train de causer, je lui demande directement, est-ce que tu as atteint ton quota? Je dis non. Elle dit non. Je dis ok. Donc, ils vont te faire un dépôt. Où ils sont en train de faire le dépôt là? Elle m'appelle même pas. Elle m'envoie un message. Message, je peux ne pas voir. Appel forcé, je vais voir, je vais décrocher. Voici la capture. Elle m'envoie un message. Je dis que finalement, je ne peux pas recevoir. Oh. Donc, je lui ai fait fort. Je lui ai dit que ce n'est pas gentil et ce n'est pas très intelligent. On dit, en Afrique ici, là, c'est la première personne qui vient expliquer là. Les gens ont tendance à lui donner raison. Kevin, ce que tu es en train de dire là, c'est faux. C'est pas comme ça s'est passé. Parce que toi, mais tu n'avais même pas le droit même de te fâcher. Et puis, je sais pas. Que, pourquoi je n'avais pas le droit de me fâcher? Tu fais semblant, tu n'as pas changé encore. Tu n'as pas encore changé, c'est un peu dans toi. Parce que tu ne peux pas m'appeler, c'est un service. Service. Je pouvais dire que recevoir vous... mon argent retiré pour me donner la secrétaire. Moi, si tu pouvais recevoir, fallait recevoir. Mais moi, je n'ai pas de mobile money. Et moi, voilà, donc tu es limité. Habituellement, même c'est à Kia, je donne mon argent. C'est parce que Kia n'était pas là. Ah. Ça fait deux jours que je ne voyais pas Kia. C'est pour ça que je pensais à toi. Sinon, c'est Kia, j'appelle. Mais oui, c'est la vie la même qui est là comme ça. Parce que s'il n'y a pas l'autre, il peut avoir quelqu'un d'autre. Donc, même si c'est maman qui est là, nous, on est toujours à côté. Tu as vu que hier n'était pas là. Tu as eu besoin de moi. Donc là, il n'était pas obligé. Toi, Kevin, toi, tu vas m'appeler. Allô, j'ai dit, oh, ton truc là, c'est déplafonné. J'ai dit, oui. Mais comme ils sont un peu tarés là, attends, je vais vérifier. Tu me dis, ah, vérifie. Il a dit, bon, ok. Attends, tu ne maîtrises pas les trucs de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu fais exprès. Ou bien toi qui maîtrises là, pourquoi tu n'as pas vérifié si ton truc était déplafonné ou pas? Ici là, pour vérifier, il faut appeler un service. C'est faux. Tu dois taper un code. Non, je ne connais pas le code. J'appelle le service. J'appelais le service et ça prend le temps avant qu'ils vont me prendre. Je ne suis pas la seule à les appeler. Donc le temps qu'eux, ils sont en train de me prendre là. J'ai un petit là. Il a pris mon nom, tout numéro, il est parti donner. En tant qu'il dit de vérifier. Donc comment il a fini de poser avec le service client? Je t'envoie un message pour te dire que je ne peux pas recevoir. Oh, je vois des sommes qui arrivent de partout. Je ne sais pas, de grosses sommes. Je consulte tous mes comptes. Faut éteindre, je vois rien.
Je commence à lui faire un advocat et puis impoli qu'il est. Je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas t'écouter. Voici la note vocale, on écoute. Voici ça, j'ai fini de mettre ton numéro. Je t'ai appelé, je t'ai bien demandé. Je t'ai demandé. C'est pour ça que je t'ai appelé. C'est pas la peine de m'envoyer une autre vocale même parce que je vais pas écouter. Il y a un monsieur qui va peut-être t'appeler. C'est normalement 1 200 000, beaucoup tu dois recevoir. S'il t'appelle pour te faire le dépôt parce qu'il fait pas Wave, faut lui dire que ton numéro peut pas prendre. Je sais pas. J'ai essayé de le contacter aussi. Non. En fait, hier, j'ai appelé là-bas pour leur demander. Puisque tu m'as dit de me rassurer, il a dit d'accord, attends, je vais appeler. Il ne savait pas que tu allais faire en même temps. Puis ils disent que j'ai trop fait de transactions, tu vois. Pourquoi tu n'écoutes pas? Vous avez écouté la note vocale. Pourquoi je vais écouter? Maintenant, c'est un problème d'argent qui est là. Donc, si je t'envoie la note vocale, là, normalement, tu dois écouter. Moi, ta grande soeur, tu n'écoutes pas. Et puis, c'est dans quel argent, il n'y a plus grande soeur, petit frère. Dans l'argent, il n'y a pas grande soeur, petit frère. Lui aussi, sa note, elle n'est pas terminée. Je n'ai pas terminé sa note. Moi-même, je n'ai même pas commencé ta note. Voici la capture. Je n'ai même pas cliqué. Ah, ok. Donc là, il a fini de crier. Il n'a pas parlé, c'est l'agent. 30 minutes après, c'est l'agent. Il a crié, moi, il n'a pas parlé. Je l'ai appelé. Donc là, maintenant, je ne sais pas, peut-être il y avait quelqu'un qui lui a donné un conseil, parce que lui aussi, c'est comme ça. Peut-être quelqu'un lui a parlé, puis il dit, non, il faut laisser, on est en train de gérer. Moi, et puis Noura, on va gérer, nanani, nanana. Non, j'ai laissé. Et puis après, vers quelle heure, là, il m'a appelé pour s'excuser. En tout cas, il s'est excusé. Mais là, je veux donner un conseil à Kevin. Il se dérange trop, lui-même, il se dérange. Il est quoi agité? Quand hey, il lui, moi, tu te déranges. Parce que toi-même, il sait que tu te fais du mal. Parce qu'il y a une situation là. Il y a quoi? C'est quoi même? Oh, arrête ça là. Oh, c'est quoi? Toi-même, tu sais que je me fais du mal. Tu te fais du mal, oh. Parce que je sais que quand tu finis comme ça, toi-même, ton cœur dans ta poitrine, là même, elle ne peut pas résister. Mais tu es dedans, comme ça. Et puis maintenant, il s'assoit. Mais en tout cas, il y avait longtemps, il n'avait pas fait ce genre de comportement. Je ne sais pas, hier, il avait quoi. Mais après aussi, il peut dire qu'il a changé. Parce que si c'est lui, là, il va rester sa position, il ne va pas te dire pardon. Hein. Jamais. Mais je t'ai appelé après. Mais oui, c'est ça, je suis en train de dire que tu as appelé pour dire pardon. Sinon, si j'étais dans ton appel, tu n'allais pas faire où? Ah. Mais pardon là même là, c'est parce que je sais que ça t'a fait fort. Sinon j'avais raison. Parce que tu as oublié, quand tu expliques là, tu sautes ce qui t'arrange. Mais puis ce qui t'arrange là, c'est ça que tu prends pour déposer devant les gens. Tu m'as dit au téléphone, ils peuvent tenter quand même, ils n'ont qu'à tenter le dépôt. C'est ce que tu m'as dit au téléphone. Je t'ai dit vérifie, tu m'as dit non, il n'a qu'à faire, il n'a qu'à tenter, il pense bien que ça va passer. Tu es là et puis tu parles du mal. Ok, mais souvent c'est quand tu expliques, tu oublies. Donc j'ai oublié la partie là. Bref. Mais c'est bien sûr. Ah. Dans tous les cas, c'était un petit règlement. Voilà. Pour que vous voyez que souvent, quand je m'énerve, là, j'ai mes raisons. Parce que quand on s'assoit sur YouTube, elles aiment bien venir prendre leurs cheveux sous celle-là. Maintenant, elles font comme les Coréens. Elles font cheveux des gens de Séoul. Pour venir s'asseoir ici pour dire. Ça veut dire quoi? C'est frange. Yeah! Mireille Mathieu. Loïc, faut mettre photo de Mireille Mathieu. Je ne connais pas. Tes trucs là. Tu es connecté, non? Oui. Tape Mireille Mathieu, tu vas la voir. Oui. C'est une vieille chanteuse française. Depuis elle a 19 ans. Elle c'est Mireille Mathieu et Instagram. Elle est vieille, hein. Hey, bon, c'est Aïcha connaît Instagram, non. C'est que Mireille Mathieu peut avoir Instagram. Faut taper Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. C'est une vieille chanteuse française qui fait frange. Eh. Maintenant, ça de lui, papa. C'est pour te montrer, c'est même coiffure là. Ça lui va parce que depuis 60 ans, c'est même coiffure elle fait. C'est celle-là. Hey, hey, Mireille Mathieu officielle. Voilà. Elle n'a même pas. Non. Voici ça. Tu vois sa coiffure. Voici. Donc toi, tu es là aussi pour retenir le nom des gens sur moi dans le monde là. Non, c'est. J'ai de la culture. Pas de la culture. Ça s'appelle avoir de la culture médiatique, musicale, culturelle, tout simplement. J'ai de la culture. Voilà. Faut laisser Mireille. Où elle est là? Elle a assez d'abonnés. Bon. Vous voyez ce qu'on vient d'expliquer là. Dites-moi en commentaire qui a raison, qui a tort. En tout cas, c'est moi. C'est toi qui as quoi? Parce que là, quand on a besoin de quelqu'un aussi là, on se blablait, on va un peu doucement. Donc, il devait attraper tes pieds quoi. Bon, là, et si maintenant l'argent là n'avait pas été réglé? Moi, j'étais dans... Mais c'est moi qui ai trouvé la solution, c'est pas toi. Et puis tes gars aussi là, je les ai appelés, ils m'ont pas pris. Hein. Non.
Parce que là, quand ils ont envoyé l'argent, il y a un lien, il y a le numéro WhatsApp. Moi, je les ai écrits. J'ai pris la paye. Mais l'agent de Dana Pay, ils ne sont pas là pour ça. Mais je les appelle. Les gars qui travaillent à Dana Pay, là, ils ne sont pas là pour causer à tout le monde. Hey! Mais au moins, ils savent que c'est ta soeur. Ils ne savent pas qu'ils venaient de faire un dépôt. Bref, on peut passer à autre chose. Ok. Merci. De toute façon, on est là pour ce qu'on appelle ici un tu préfères. Tu préfères avoir un mari riche, polygame, qui a plusieurs femmes, ou un mari pauvre, monogame? Je préfère avoir un homme riche, polygame. Tout compte fait même. La polygamie, là, mais c'est quoi? C'est rien. Polygamie, là, c'est pas où tu as à partir de deux femmes pour monter pour bâtir. Ils ont, chez les musulmans, là, c'est comment? L'autre fois, il y avait ça dans les vidéos. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Si je suis bien dans mon entourage, dans mon confort, il n'y a pas de problème, hein? Tu peux avoir même 10 femmes, 50 femmes. Si moi, je te dis, je vais m'habiller, je veux faire mes boutiques, je veux faire ta, que tu arrives à le faire, ok. Tout ça là pour l'argent. Oui. À cause de l'argent. Il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas d'honneur. Ah. Faut pas que tu appelles prendre des exemples dans le pays ici pour déposer. Qui? Faut pas que tu vas faire des honneurs. Honneur. Ces mecs qui ont fait honneur, ils se sont retrouvés où? Moi maintenant, il a réfléchi, hein, côté l'argent, il a réfléchi. Hein. Si c'était avant, il allait dire que je veux le pauvre là. Mais je veux plus le pauvre là-haut. Hein? Moi, je pense que une femme doit être avec un homme monogame. Parce que peu importe la situation financière de l'homme, l'amour même à la base, là, c'est pas l'argent. On appelle ça l'amour, on n'appelle pas ça. On n'appelle pas ça argent-mou. Quand tu parlais, je n'ai pas parlé, je n'étais pas coupé. On dit l'amour, on ne dit pas argent-mou. Donc tu peux pas avoir l'amour de l'argent et puis te mettre avec quelqu'un pour ça. Si tu veux ton argent, tu travailles. Mais je l'aime, il m'aime. Tu l'aimes comment? Donc, tu viens de dire que tant que tu es dans ton confort, tant que le climatiseur te tape, tant que tu as 15 servantes qui massent tes pieds, tant que pendant qu'on masse tes pieds, une prend tes cheveux pour couper dessus. C'est qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait, ils vont me charger ici. En tout cas, c'est qu'est-ce que tu as dit là? C'est la vérité. C'est quelle vérité? Il est monogame, il est pauvre. C'est, tu n'as pas dit qu'il a amené à avoir la gêne. Il est pauvre. Et puis, on est dans la monogamie. J'ai dit, en tant que l'autre, il est riche. Et puis. Donc, pourquoi tu peux pas être avec un homme pauvre? Pourquoi pas? J'en ai expérimenté. Donc, je sais que tu es déjà habitué à ça là. Tu peux continuer. Non. Je ne sais pas que itch pour venir là. Si c'est ça, il dit, c'est voilà, je vais faire comme. Au moins là, je vais dire, ah chérie, il y a mon frère qui est venu. Quoi. Mais là, le gars ne peut rien créer. Moi, non, quand souvent il prend itch et puis il arrive et puis il n'est pas monnaie là. Hey. C'est, il y a des fois sorti à 1000 francs. Donc, même 1000 francs, il n'aura pas. Il n'était pas dit pauvre jusqu'à. Ah, mais quelqu'un qui se suffit. Quand c'est comme ça, tu. Faut savoir poser la question, Kevin. Bon. On va dire qu'il gagne 200 000 par mois. Je suis à lui. Parce que. Ah. Voilà, c'est maintenant que tu as dit, mais dis, mais quand tu as dit pauvre là, la pauvreté. Non, 200 000 par mois, c'est pas pauvre. Voilà, parce que tu as dit pauvre là, en fait, ça m'a choqué. Donc, du coup, non. Non, mais si c'est ça, j'aime la monogamie. Je préfère ça. Parce que moi-même, je n'aime pas partager mon homme. Je n'aime pas. Partager homme. Le simple fait même que j'entends même qu'il est en train de me tromper. Non, je ne supporte pas. Dans la monogamie. C'est maintenant que tu as bien posé la question. Donc, je préfère un homme. Bon, il refait. Voilà. Tu as un homme oui. qui gagne 200 000 par mois. Oui. Et puis, il est monogame. Il oui. est avec toi. Mmh. Tu en as un qui gagne 40 millions par mois, qui est polygame. Je vais chez lui qui gagne les 200 000 et qui est monogame. Lui, tu mens. Pourquoi? Parce que je te connais. Pourquoi tu mens? On est en train de parler aux gens. On a qu'à dire la vérité. Tu mens pourquoi? 40 millions par mois, il est polygame. 200 000 par mois, il est monogame. Toi, tu prends 200 000 là. Au début, là, j'avais quoi? J'avais dit quoi? J'ai dit que je prenais l'autre côté. 40 millions là. Hein? Et deuxième fois, il a dit quoi? Quand tu prends monogame. Donc ceux qui vont se sentir dans. Après, bien fait pour ça. Ceux qui vont se sentir dans deuxième là, ils sont bons. D'accord. Mais en tout cas, moi, personnellement, monogame. C'est qui? C'est Noura. C'est celle qui tape en direct, c'est elle qui a placé le porte de la maison. C'est toi qui s'est déjà personnel, moi personnellement. Bonsoir. Si on sent là, j'ai pas dit que je ne comprenais pas. Hein. C'est un abus de langage. Moi, toi, ton comportement, ça, moi, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas ton comportement aussi. J'entends que j'ai devenu très zélé. Moi aussi. Depuis que tu travailles. J'entends
Depuis que tu as signé ton CDI, là, tu as devenu zélé. Je trouve que si tu te comportes toujours mal parce que tu aimes mettre la pression aux gens. Mais quand tu dis que ça, c'est même merci, tu ne sais pas dire. Moi, je ne sais pas te dire merci. Moi, c'est moi, tu as très mal éduqué. Matin, quand je ne sais pas te dire quoi. Tu m'as dit quoi? Toi, je ne m'as pas promis de faire le retrait matin. Voilà, ça, c'est l'argent. Mais justement, je n'aime pas ton argent, mais ça n'arrête pas de venir sur moi. Moi, j'ai dit que. Tu as dit ça dans la vidéo, c'est que je suis une anaqueuse. Mais tu es une anaqueuse. Mon argent arrive sur ton compte. Pourquoi je te vois comme ça? Il dit sa mère qu'il y a une envoie, qu'elle nous la nous. C'est parce qu'il y a n'était pas là hier. Tiens, tu m'envoies ton poil la nuit 23h, j'ai pris le risque. C'est parce qu'il y a n'était pas là hier que vous deux vous allez me parler. Il réserve 200 pas. Il y a 200 pas. Il dit que ah, il n'y a pas les 200 pas, il peut te faire le dépôt. Tu dis ok, fais le dépôt maintenant. Il fait le dépôt même merci. Ou bien j'ai réussi, tu peux me dire. Entends ça, c'est pas mauvais. Voilà, voilà. Voilà pour la guidée de l'église qui est en train de parler. Nous, on est dans l'église, non? Donc, genre, elle est à l'église, elle ne peut pas mentir. Voilà, papa, voilà, affaire d'argent, vous voyez que la situation, il n'y a pas raison. Voilà. Parce que tu ne dis pas merci, tu fais faux aux gens à cause d'argent. Yeah, toi aussi, tu es à l'église, non? Non, c'est bon d'arriver, le Seigneur. Il y a soit que vous avez tout dit à Dieu là-bas. Toi, ça va pas me prier pour toi. Pourquoi? Son sujet est lourd. Son sujet est lourd. On n'a pas encore parlé, c'est on n'a pas parlé. Ah, vous partez encore le soir? Oui, on allait faire la mise en place. Je sors au service. On allait faire la mise en place. En place, mise en place de quoi? Les chaises. Vous avez Pascal pour le paroisse. Ah, vous êtes tellement impliqué dans l'église que vous, c'est vous qui êtes allé placer chaise. Oui, on est dans le service d'ordre. Vous êtes dans le service d'ordre de l'église? Oui. Il faut pas changer. Toi-même, tu es où? Toi, 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 tu es où? Toi-même, tu es où? Tu as fini de changer la voiture. Oui, quoi? Voici ça, les jeunes filles là. Elles ont mis foulard pour aller à l'église. Toi, ça fait frange. À 15 heures. Elle est tes cheveux. Elle est tes cheveux. Elle est tes cheveux. D'où est-ce que tes cheveux sont pas beaux? Je préfère trois enfants qui se débrouillent pas mal. Parce qui se débrouillent point. Qui se débrouillent point. Non, je préfère trois enfants qui se débrouillent point. C'est pas un problème. Parce que moi-même là, je suis beaucoup affective. J'aime les enfants. Et puis j'aime la politique, c'est pas trop mon truc même d'abord même. Donc du coup, je préfère mes trois enfants qui se débrouillent là, ils viennent à maman, voilà. Au moins là, j'ai trois. Mais un qui est dans la politique et qui est pas là-bas, on sait jamais. Ah. Moi, je préfère avoir un seul enfant qui devient président de la République. Ah, moi je veux pas. Parce que faire beaucoup d'enfants là même, je sais pas pourquoi. Donc j'ai mon seul enfant, il devient président, c'est ma fierté. Ah. Voilà, c'est vrai que souvent la politique, voilà. Mais peu importe ce qui va arriver, au moins, avant que je ne parte de ce monde ou avant qu'il ne parte, je touche du bois, on préfère toujours aller avant ses enfants. Mais au moins, même s'il est parti avant moi, je touche du bois encore, au moins il m'a rendu fier. Et puis il a laissé son nom gravé dans l'histoire parce que ça un, dépend, président, hein, si ça sera un président de la République, on peut jamais oublier son nom. Ça dépend, hein. Il sera gravé où? Tant qu'il est président, son nom sera gravé. Quand le juge bon ou mauvais président, son nom sera gravé dans l'histoire. Quand ils vont citer les présidents qui ont été présidents, forcément son nom va sortir. On va pas sauter. Il y a des gens qui ont dit ici, on cite pas. On cite. Ah, ok. C'est toi, tu veux pas entendre. Sinon, on cite. Ah, ok. C'est vrai que maintenant, là, nous, on est pro. Moi-même, le président actuel. S'il dit ce vote, bon, ça, je ne sais pas si on peut dire.
Sinon, s'il dit c'est présent, je le vote. Si le président actuel dit se présente encore, je le vote. Si Ado dit il veut faire encore, moi je le vote. Ça, c'est moi. Mais en tout cas, j'ai dit. Ça regarde, c'est ce qui. Moi, mais il est dans ma pièce même. Il y a le vote. Moi, il n'a jamais voté de ma vie. Hein. Moi aussi. Il n'a jamais voté. Mais il y a le vote. Hein. Il n'a jamais fait enrôlement. Même quand je vivais à Paris, une fois, je voulais aller m'enrôler. Mais tiens, le rein, là, ça m'a découragé. Mais. Il y a pas le vote. Il y a Tina là, Bobo. Aïe. Ah. Il y a comment quand tu roules vers Jesco là, la route est dégagée comme ça pour aller sur l'autoroute. Ah, Ado. Si Ado dit se présente, moi je le vote. Non, on a mal secret de boudon aller là. Yeah. Mmh. Tu roules habitué puis tu es fier. Il y a comment la canne est d'air. Tu n'as pas l'argent. Mais tu manges bien. Ou bien. En tout cas. Petit, damisez-moi, vous-même, vous avez la route et vous avez l'argent. Qu'est-ce ça? Vous là, vous les gens, les influenceurs. On a quoi? En dehors de la situation, vous empiète pas façon. Quelle situation? La situation du pays. Mais le pays va bien, le pays va comment? Oui, ça va bien, que. C'est pas encore comme on veut, veut, mais ah. Le président est en train de travailler pour ça. D'accord. Et il a commencé à faire meeting. Normalement, je ne dois pas faire politique. Hein. Non, je ne fais pas la politique, je donne mon opinion. Je suis satisfait du travail du président, j'ai le droit de lui dire. Mais oui. Tu te justifies pourquoi en fait? Tu connais les gens, ils vont. Mais il faut aller me faire quoi? C'est mon président! Aïe! C'est lui, hein? C'est lui? Aïe. Qui d'autre? Qui d'autre? S'il dit d'arrêter de porter rose, j'arrête de porter rose! Parce que lui-même, je n'ai jamais vu rose sur lui. Ça, mais ça me fait du bien. S'il dit arrête et puis tu arrêtes. Il ne va pas dire parce que c'est un monsieur qui est intelligent et qui sait que c'est juste une couleur. Contrairement à toi, ton nom. Toi, là, là, attends, là. Toi, tu es là, là, attends. Tu sais pas que c'est juste une couleur. Oh. En tout cas, président, merci pour tout. Président. Tu nous rends fiers. Président. Eh, hey, Ado, pardon. Eh, hey, c'est bon, c'est pas ton camarade. Non, la partie, il n'a pas voir. Il ne s'est jamais petit. On peut nous appeler. Mais si, on, si il doit voir la partie, c'est pas ça là que tu as lui faire, c'est ton camarade. Ah. C'est ton camarade. Ado. Non, monsieur son excellence. Tu as comment? Je vais mettre mes boutons même parce que si on doit s'adresser à lui, ça fait trop débrailler. Ma cravate. Oui. Et ta veste là. Ta veste qui a fait le beurre sur la toile là. Ma veste marron là. Ma soeur, peut-être il va pas voir. Pense et fatigué. Il va voir. Et si je porte veste et puis il voit pas, ça va pas me plaire. Tes abonnés sont bien. Ils vont faire capture. Mes abonnés connaissent la route du président et puis je pense qu'eux-mêmes ils vont pas aller s'asseoir là-bas. C'est pour moi, ils vont faire. Allô? Faut aller enlever ma veste. Ça là, je dois retourner ça à la marque. La marque m'a dit pour faire l'émission là. Je dois retourner. On doit vous le préciser. En tout cas, ça a marché. Les choses comme ça, faut porter. Faut porter, ok, c'est un conseil. Habituellement, je porte quoi? Faut porter. Parce que tes robes, tu portes avec tes jupes là, il faut arrêter. Faut arrêter. Il n'est pas trop belle. Ah. Parce que pantalon là, c'est-à-dire qu'au milieu là, si tu as fait comme ça, mettre ça fait jupe évasée. Oui, il n'est pas trop belle. Tu as raison. Il y a d'autres choses. Donc moi je disais que je préfère un seul enfant qui devient président. Moi, je tu as fait 3-4 enfants, les 4 se débrouillent, il n'y a même pas un qui a bien réussi dedans. Ils vont toujours te fatiguer. Pourquoi? Je veux pas. Tu préfères une belle-mère milliardaire qui t'humilie en public, mais qui te donne souvent des sommes conséquentes, ou une belle-mère affable, gentille, débonnaire, qui respire la bonhomie, mais extrêmement pauvre. Je préfère une belle-mère extrêmement pauvre qui me respecte que celle qui a beaucoup d'argent qui va m'humilier là. Je préfère celle qui est pauvre là. Kevin, toi tu connais humiliation. Au final même, c'est quoi l'humiliation? Si tu regardes bien, l'humiliation ce n'est qu'un mot. Ce n'est qu'un mot. Et les images qui passent. Et ce qui se passe. Une belle-mère qui quand elle te voit peut te décaler 4-5 bâtons. C'est pas un problème. Et cette même belle-mère qui va venir s'asseoir devant toi, étant moi ta soeur, en train de dire, regarde-moi cette, peut-être même dévergondée. Ça fait quoi? Si elle te donne l'argent, 5 millions. Ça, tu fais quoi? Moi, je veux une belle-mère milliardaire qui m'humilie, mais qui me donne des millions. Je veux. Parce que belle-mère gentille, pauvre, là, c'est toi-même ton petit brin-brin, tu enlèves encore pour lui donner. Mais ça fait rien, il ne jette pas l'argent, là. Je ne jette pas, hein, parce que je la considère comme ma mère. Donc je suis. Mais voilà, si tu considères ta belle-mère comme ta mère, là, si ta belle-mère t'insulte, ça fait quoi? Ta maman t'insulte souvent, non? Ça fait quoi? Tu as dit humiliation, hein? À chaque fois, ça se répète. Oh! Chaque... Est-ce que c'est toujours au revoir sa belle-mère? Ah.
C'est pas toujours voir sa belle-mère. C'est pas comme si je vis à elle. Ma belle-mère n'a qu'à m'humilier, n'a qu'à me donner l'argent pour moi. Et c'est quand elle finit de m'humilier, puis elle me donne l'argent, ils ont écrit sur mon dos. Bonjour, j'ai été humilié aujourd'hui à 8h05. Non, non, tout non. Ça, où est passée la morale? Je veux pas de morale. Oh. Ok. Envie de l'argent. Dieu merci, chacun a son avis. C'est ce qui me plaît. C'est la terre ici. Tu as ton avis, j'ai mon avis. Si toi, tu aimes humiliation avec l'argent, il faut prendre une... On sait tous moi, que... Moi, je veux pas. Une belle-mère, là, on peut l'avoir une fois chaque 2 mois. Une belle-mère. On ne voit pas sa belle-mère chaque jour. Donc, une fois chaque 2 mois, elle te fait fort, mais elle te donne l'argent. Ça fait quoi? C'est si elle te fait tous les jours, je vais dire non. Mais une fois en passant, ça... il y a des gens dans la vie qui t'humilient. Cadeau! Mais elle est humiliée, puis elle te paye pour t'humilier. Qui suis-je pour refuser? Les amis, les chouris. Dès qu'aujourd'hui, je vous appelle les amis. Putain, j'aime pas les influenceurs qui appellent les abonnés. Coucou les amis. Mais, wow, faut pas vont dire. Bon, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Mais en tout cas, je, c'est ça. Ok. Comme toi, tu n'as plus de morale face à l'argent, donc tu vas t'en aller avec ta belle-mère humiliante et puis... sinon, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Nos avis même diffèrent. Nos avis sont parallèles. Ils sont en parallèle. Voilà, ça veut dire que ça ne se touche pas. Parce que deux droites parallèles ne se touchent pas. Ok? Ok. La vie est faite de mathématiques, elle me dit. D'accord. En tout cas, tu as bossé ta leçon des droites parallèles. Après parallèle, il y a droite. Perpendiculaire. Ça, c'est deux droites. Tu vois. Perpendiculaire. Ça fait quoi? Parallèle, c'est tout. Ça se touche. Okay. Et puis, il y a des droites encore. C'est ce qu'il y a retenu qui est là. En tout cas, bravo. Yeah. Moi, j'ai fait les études. Tu pourrais passer une journée avec Bamba Ami Sara ou une journée avec Vital? Pourquoi? Les deux, mais je ne veux pas. Pourquoi? Les deux sont bien. J'ai dit que je ne veux pas. Chacun son avis, tu m'as posé. Ah, je sais, je ne veux pas passer journée à toi. Pas on te dit tu veux passer journée à deux stars, faut choisir que les deux, mais je ne veux pas. Toi, j'ai qui? Hey, c'est une question, bien, c'est quoi? Tu dois choisir, c'est le but du jeu. Ok. Vital. Pourquoi? Arnold la connaît, donc du coup, il peut. Première photo d'Arnold Loïc. Arnold est parti même quand elle a ouvert sa boutique, tout et tout. Donc il la connaît un peu. Donc. Mais Bamba Ami Sara aussi vend beaucoup. Hein. Parce que si c'est en boutique, là, Bamba Ami Sara aussi en boutique. Oui, mais tu as vu pour Vital là. Pour Vital, c'est comment que Bamba Ami Sara n'est pas. Regarde. J'aime les femmes les. Ah, mais on dirait que tu es en train de faire comme si... Tu as dit que de dire où je veux partir. Que forcément je dois choisir. Maintenant, je dis que je choisis Vital. Je vais prendre Vital. C'est elle que je veux prendre. C'est elle que j'ai pris. Parce que moi, Arnold va là-bas. On dirait que donc Poi à Arnold. Donc... Ah, donc c'est Vital qui donne Poi à Arnold. Et puis, il pense que cheveux qu'elle sur sa tête là, ce sont ses propres cheveux. En tout cas, c'est joli. Quel cheveux? D'Arnold, là. Je veux un homme faire comme ça quand il parle sur TikTok là. C'est joli. Ah, en fait, vous êtes ses amis, mais vous l'encouragez dans les choses non, comme ça. Non, mais après aussi, si ça n'allait pas, moi, il allait dire. Ça lui donne un genre. Ça fait. Ça sort en paix. Toi, tes vilaines tresses, tu avais fait ici autant. Loïc, remets ma photo où il y avait mes locks. Où tu as fait à la pinou, c'est ce que tu as dit. Non, où tu as ouvert ta bouche, tout ça. C'était hier. C'était vilain. Vilain. Attends, il y a pour Arnold, là, ça danse. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Ça danse parce qu'il ne reste pas tranquille. Ça s'en va, ça vient. Ça danse parce qu'il ne reste pas tranquille. Quelqu'un qui est comme pile. Et puis c'est semi-humain, hein, ce qu'il a mis là. Semi-humain. Garçon, mais humain. Bah oui, les mèches là. Ton camarade, garçon, mais humain. Tu dis c'est bien. Moi, je suis ton frère, je prends ta bille rose. Tu dis je suis Rosalba. Vraiment, c'est qu'Arnold te donne là. Faut me donner un peu, je vais manger. Il me donne. Ah, en tout cas, bravo. En tout cas, je préfère Vita. Et puis bon, elle-même, pas pour trop dire, elle-même à la base même, là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vita, oui. Bon, sa manière même de faire, ses habillements, les gens vont trouver... Vita, moi-même, je l'aime. Mais moi, j'aime ça. Attends, il a parlé un peu. Tu voulais parler de Vita. Ah, tu voulais parler d'elle. Vita, moi-même, je l'aime. Mais la dernière fois, là, elle
elle m'a bloqué sur TikTok. Je pense que je l'avais critiqué un peu, mais vite fait. Toi aussi. Oh, putain, elle critique pas les gens. Nous tous, c'est critique. C'est juste que moi, il fait pour moi sur YouTube. Sinon, nous tous, c'est critique. C'est parce qu'elle, quand elle fait pour elle, on voit pas. Elle va te débloquer. Non, je pense qu'elle m'a débloqué, je crois. En tout cas, moi aussi, j'aime beaucoup Vital. Oui. J'aime bien les deux. Mais je préfère passer une journée avec Vital. Oui. Parce que Vital me paraît beaucoup plus fun. Mmh. Tu vois, non? Justement. Beaucoup plus fun. Genre, Vital, ça se voit que quand tu es avec elle, tu t'ennuies pas. Voilà. Genre, c'est une go qui aime rigoler. Il a vu les statues d'Anode. On tenait de danser. Et puis, genre, elle prend Anode comme ça. Attends, Boba Misara, là, elle est gentille. Franchement, moi, je l'ai vu deux fois. Elle est hyper gentille, hyper respectueuse. Boba Misara, franchement. Mais genre, c'est quelqu'un qui n'est mais pas. Mais c'est quelqu'un, tu as t'ennuyer avec elle. Voilà, elle n'est pas. Elle n'est pas. Elle n'est pas. Voilà, c'est pas quelqu'un genre qui sait faire pépéchage. Mmh. Tu vois, non? C'est pas quelqu'un qui sait pépécher. C'est ça. Tu vois, non? Entends les vitales là, tu sais qu'il y a ça. On peut faire béret, on peut. Attends, Boba Misara là. Vous allez causer un peu. Elle m'a dit qu'elle doit aller cuisiner pour son mari. Les enfants. C'est ça. Ah. Ça, c'est une mère au foyer. C'est la famille. Voilà. Vital aussi, c'est une mère au foyer, mais oui. Vital, elle est plutôt. Tu vois, non? Mmh. Elle est. Yeah, you know, girl, you know? Attends, Boba Misara là. Doudou, hey, je dois aller cuisiner pour Doudou. Elle va porter ses robes qu'elle vend là pour faire un peu de vidéo. Elle, vraiment. Genre, c'est la tante casée. Voilà, la femme casée, c'est elle. La tante. Attends, c'est que nous et puis les gens casés, ça marche pas. Voilà. On veut un peu les gens. Vital est casée, mais elle est casée hier. Hein? Non, je, non, non, l'autre n'est pas gawaz. Je ne veux pas dire qu'elle est gawaz. Mais tu comprends ce que. Boba oui. Misara, mais comprends ce qu'elle veut dire. Oui, oui. Tu vois, non? C'est ça. C'est ça. Hey. Donc, moi aussi, pour faire passer une journée. Mais la tante, la mère, elle a ouvert sa boutique même. Il y a un colon, il y a vu là-bas, ça me plaît bien. Qui? Vital. Ah, parce que Boba Misara ne vaut pas colon. Non, 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 elle, c'est le boubou. Elle, c'est le boubou. Vital, oui. C'est le colon. Oui, oui, j'étais avec un mec musulman. Si c'était dans le temps, là, là j'allais un peu pencher. Mais actuellement, là, c'est l'échec. C'est bon. Je dis, dans un temps, j'étais avec un musulman. Si c'était ça, dans le temps, là, le temps était encore le temps. J'allais pencher chez Bamba. Chez Bamba Misara pour payer les boubous. Mais comme tu n'es plus avec lui, maintenant tu es devenu. Voilà. Donc maintenant c'est le colon voilà. De Vital. Justement. De Bibi. Justement. Ok, en tout cas, ouais, moi je préfère passer une journée. Mais elles sont bien les deux. Elles sont chic. Et puis, si on dit même qu'une est chic que l'autre, l'autre va nous faire quoi? Elle peut faire quoi? Elle va nous fatiguer. Quand tu es venu là, c'est quand tu es stade. Elle va nous fatiguer. Papa, mais toi aussi là, tu es quelqu'un, mais tu n'es pas bon. Pourquoi? On finit ça là, tu as parti trinquer à bas champagne. Et puis moi maintenant, me voici ici couché à la maison ici. Non, hein? Non. Mmh. Ok. Tu préfères Sandrine ou Sanata? On rappelle que Sanata a travaillé chez nous ici pendant 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Et Sandrine est là depuis N. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous connaissez Sandrine, vous connaissez Sanata. Voilà. Bon, hein, à vrai dit, à vrai, 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 vrai dit, je préfère Sandrine. Ça va te choquer, mais je préfère Sandrine. Pourquoi? Je m'explique. Je m'explique, hein? Ah, c'est pour parler, pardon. Sanata, oui, c'était la go. Faut pas on va se mentir, c'était la go même. Mais Sanata était un peu difficile. Comment? Oui, je m'explique encore une deuxième fois. Sanata, c'est-à-dire que... Moi, par exemple, Sanata comme ça, elle me respectait pas. Donc Sanata devait s'abaisser pour te saluer, quoi. Non, non. Donc c'est qu'elle respectait. C'est moi qui ai vécu ou bien c'est toi qui as vécu. Faut expliquer ton Sanata, là, il y avait beaucoup dans Sanata. À moins que quelqu'un vienne dire autre chose. Il y avait beaucoup dans Sanata. C'est vrai, c'était la go. Elle était chic, elle était fun. Mais là, il y avait beaucoup dans Sanata aussi. Il y avait beaucoup. Parce qu'elle, elle manquait pas de dire n'importe quoi aux gens. Elle était irrespectueuse, en griffe, si je peux m'exprimer. Mais c'est mieux, non? Parce que Sanata ne regarde pas ton âge. Elle te regarde et puis elle te dit. Mais parce qu'elle était comme moi, elle est comme moi, elle dit la vérité. C'est pas une vérité. C'est une vérité. Manque de respect, c'est pas une vérité. Je suis désolée. C'est pas parce que quelqu'un est moins âgé que toi, vous allez vous faire, lui faire le comportement renversé. Donc, et puis elle doit. Si de suite, dans moi, je peux pas me permettre de dire, ah, Sanata, comme ça, tu sais que même souvent. Mais je suis désolée. Sanata n'était pas là pour vous aussi. Est-ce que moi, j'ai dit elle n'était pas là pour travailler pour vous. Sanata n'était pas là pour moi-même. Moi-même, je parle de moi.
Elle n'était pas là pour moi. Mais même si on me laisse une commission, même que je donne à Sanata, comment même Sanata même me fait? Toi, tu n'es pas dans la maison. Il n'est pas dans la maison. Tu finis de prendre ton seau d'eau pour mettre dans ta douche là. Ou bien, on finit de chauffer l'eau et puis tu vas te laver là. Le reste, ça, c'est plus ton problème. C'est nous, on est là. C'est nous, on a vécu ça. Par contre, avec Sandrine, Sandrine, elle, jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas manqué de respect. Parce que elle là, quand tu l'envoies, partout tu l'envoies, elle prend ses deux pieds, elle s'en va. Mais c'est ce temps-ci là, elle est genre... Non, pause, c'est fini, tu as trop parlé. Je préfère Sanata aujourd'hui. Je préfère Sanata après demain. Et je préfère Sanata à tout jamais. Je vais dire pourquoi. Quand Sanata était ici là, Sanata là, quand tu l'envoies, elle s'en va. Ça mais quand, pardon, il n'est pas fini de parler. Mais quand elle est fatiguée, elle ose ouvrir sa bouche pour dire hey, Kevin, moi je suis fatiguée. Ah, depuis là, tu me vois. Quand on vient des gens et puis on les considère comme sa famille, là, on ose leur dire ça. Et quand tu es, je suis fatiguée, tu es. Sandrine trouvait qu'on l'envoyait trop. C'est son papa, elle a appelé pour dire qu'on la maltraite. Ouais. Hein, toi, tu n'es pas couronné ça. Elle a appelé son papa pour dire qu'on la maltraite. Toi, tu n'es pas couronné ça. Et depuis, elle fait, parce que depuis deux semaines, elle fait école de couture. Elle s'en va à 7h, elle vient à 23h. On ne la voit plus dans la maison. Donc les travaux même, elle ne fait plus. École de couture de 7h à 23h là. Normalement, j'espère que d'ici un mois, elle pourra coudre robe de mariage. Et puis, costume. J'espère bien. Parce que 7h, 23h, école de couture, je ne sais pas si c'est la robe de Kate Middleton. Ils sont en train de refaire la robe que Kate a pour se marier, le prince William. Là. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils sont en train de refaire. Ouais. Je ne sais pas. Et depuis qu'elle fait la couture, elle est guindée. Quand tu arrives, tu la salues à peine si elle te répond. Mais je lui ai dit ça avant-hier. Je lui ai dit que tu es bobo. Je lui ai demandé, tu as mis ma clé où? Je lui ai dit, tu es bobo. Quand je te pose question, tu ouvres tes gencives et tu me réponds. Voilà. Je préfère ça maintenant. Non, chacun dans sa préférence. Voilà. Et tu vois même. Bon, après aussi, ce que tu as expliqué, bon, je n'étais pas trop au courant. Mais bon. On ne dit pas au courant. Au courant, il a dit au courant. C'est ma salive que tu voulais avaler. Hein? Donc tu voulais avaler ta salive, je suis pas trop au courant. Je suis pas trop au courant. Non, c'est ça. C'est ça. Bon, dans la maison ici, là même, là. Ok. Dans la maison ici, là-bas. Rien. Tu préfères vendre placali ou vendre chaussures comme Nanja? Nanja, c'est notre tante, elle vend des chaussures. Je préfère vendre placali. Donc tu veux dire que commerce Nanja fait là, c'est pas bon? Tchao, vite. Quand tu poses question, on doit te donner une réponse. C'est la réponse que je t'ai donnée. J'ai dit je préfère vendre placali. Parce que c'est la nourriture. Cette nourriture là, c'est, il ne dit pas que j'ai l'argent, mais nourriture c'est rare quand même. C'est vrai, il y aura des trucs, des défaillances souvent, mais c'est rare que tu tapes poteau. En tant que chaussure là, si une fois il y a payé chaussure, toi, il y a peut-être deux semaines ou bien un mois encore. En tant que la nourriture, ça se mange tous les jours. Et puis même si ce n'est pas placali, que c'est autre chose, moi en tout cas, je préfère la restauration. Ou une cave, une buvette, que toute autre chose encore. Voilà. Moi, je préfère ça. La restauration ou rien. Mmh. C'est ça. Thank you. Oui, tout ce qui est nourriture. Parce que Abidjan ici, surtout Abidjan, si ce n'est pas manger, c'est boisson. T'as fait tout à l'heure, tu vois. Tu as su que quelqu'un qui a souvent mis tes chaussures là, même là, ils vont passer une fois, deux fois, ils vont pas te regarder. En tant que la nourriture, là, en tout cas, Dieu fait grâce. Ça, les gens ont faim. Les gens ont faim. Oh. Les gens préfèrent manger, même qu'ils payent. Tu vois, non? Tu n'as pas dit que là, tu as 2000, tu as mangé peut-être ton gaba 500, il va te laisser peut-être une petite monnaie là, que tu portes 2000 à partir de mettre dans chaussures. Si tu vois les gens te les payer, genre chaussures, ça, c'est qu'ils ont un plus, un surplus. Sinon. Ça a été. Il peut faire manger. Et moi, je préfère Tap Tap Send. Ah, maintenant. Je préfère Tap Tap Send parce que Tap Tap Send, c'est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer de l'argent en Afrique. Qu'importe la somme que vous envoyez, si vous êtes en Europe, vous payez que 2 euros de frais d'envoi. Mon code promo Choridouz vous octroie 5 euros gratuitement. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, mon code promo Choridouz vous donne 10 dollars canadiens ou américains gracieusement.
Et au Canada ou aux États-Unis, vous êtes totalement exonéré de frais d'envoi. Donc, n'hésitez pas, utilisez TapTapSend, c'est fiable, c'est rapide. La personne qui reçoit de l'argent via Mobile Money en reçoit dans les secondes qui suivent le transfert. Et il y a un service clientèle qui est totalement à l'affût, qui est prompt à vous répondre de façon bienveillante et surtout honnête. Voilà. Tout ce qu'il a dit là, c'est pas parce que tout qu'il comprend, il a écrit, c'est là. Et puis, Emma. C'est écrit. Vous voyez, quand il vous dit que c'est une menteuse là. Emma, comment est-ce que façon, je viens d'improviser, elle peut pas improviser comme ça là. Bon, faut essayer de faire. Tu as écrit. Moi, on va pas te l'écriture. Yarma, il écrit petit petit. Aïe. Tap, c'est je récite depuis 2019. Je récite tap, c'est. C'est en 2024, je vais écrire pour parler. Emma. La vidéo est finie. Lève-toi, Bogo, Vinicius. Aïe, Bogo. Mais c'est que YouTube ça, c'est pas pour moi. Mais c'est pas pour toi. C'est pour toi. Mireille Mathieu.